أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ensuite, le Cheikh il dit وقوله والحياء شعبة من الإيمان والحياء خلق يجعله الله في الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدنسه ويشينه والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود أما الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليه فهذا حياء مذموم لأنه خجل. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite que la pudeur ou la timidité, ça fait partie de la foi. C'est-à-dire que le cheikh il explique qu'est-ce que c'est al-haya en arabe, la signification dans l'islam. C'est quoi al-haya? C'est un comportement ou une caractéristique, un caractère que Allah met en une personne. C'est une caractéristique que Allah met en une personne. Qui pousse ou qui porte cette personne, qui amène cette personne à ce qui va l'embellir et qui va l'empêcher de faire ce qui va la salir et l'enlaidir. Donc, c'est un comportement ou une caractéristique qui te porte ou qui te pousse à faire ce qui va te faire paraître plus beau, qui va t'embellir, et qui va t'empêcher de faire ce qui va te salir ou qui va te rendre laid ou t'enlaidir. C'est ça al-haya ou de vrai. Parce que la personne qui a de la pudeur, c'est quelque chose qu'elle ressent dans son cœur qui la pousse à adopter le meilleur comportement et qui l'amène à se retenir de tout ce qui peut être laid et mauvais comme comportement. Donc, ça fait partie de la foi, c'est une branche de la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que c'est quelque chose qui amène quelqu'un à faire le bien et à s'écarter du mal. Donc, c'est quelque chose qui est louable, quelque chose qui est bien, qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on remarque maintenant à notre époque que beaucoup de gens ils ont perdu la notion même de qu'est-ce que c'est al-haya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma sha't. Une des choses que les gens ont gardé ou ont reçu des premières prophéties, que si tu n'as pas de pudeur ou s'il n'a pas de gêne, fais ce que tu veux. Pour faire comprendre aux gens l'importance de la pudeur. Et maintenant c'est comme ça. C'est pas seulement dans la question du vêtement et de l'habillement la pudeur. La pudeur c'est dans le comportement et dans la façon de parler, dans la façon d'agir. Dans tout, pas seulement dans la façon de s'habiller. Mais la façon de s'habiller ça rentre aussi dans ça. Donc, premièrement, c'est d'avoir de la pudeur, de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit à chaque instant, et donc on doit être gêné de lui en premier. Gêné qu'il nous voit dans un endroit où il nous a interdit d'être. Et qu'il entende des choses de notre part qu'il nous a interdit de dire, ou des choses de ce genre. Ça, c'est en premier. Et puis ensuite, la timidité, la pudeur envers les créatures de faire en leur présence des choses qui sont honteuses ou qui sont laides ou qui sont mal vues. Donc ça c'est important. Il y en a qui disent « Ah moi je m'en fous de qu'est-ce que les gens pensent de moi ». Ça c'est pas une mentalité normale de penser comme ça. Tu dis, je me fous de ce que les gens pensent de moi quand je veux faire le bien,
quand je vais ordonner le bien, quand je vais faire quelque chose de bon par rapport à ta religion que Allah t'a ordonné, que tu n'as pas peur de ce que les gens vont penser de toi parce que tu obéis à Allah, tu le fais comme Allah t'a ordonné de le faire, ça dans ce cas-là, c'est pas quelque chose de mal. Mais si tu dis je me fous ou bien ça m'est égal ce que les gens pensent de moi dans des choses qui sont haram ou dans des choses qui sont mauvaises, et tu penses que c'est pas le jugement des gens qui compte, ça c'est une erreur, parce que ça fait partie de la pudeur aussi. Ça fait partie aussi de la pudeur de se réserver, même face aux créatures, pas seulement face à Allah. Même si la pudeur envers Allah c'est la base, mais par la suite aussi envers les créatures aussi c'est important. Et il y en a qui disent aussi parfois, il y en a aussi des gens qui disent il faut pas, comme si ça m'est égal le jugement des gens, en voulant dire que pour eux c'est pas correct que les gens jugent par l'apparence. Ça c'est pas nécessairement vrai de façon absolue, c'est-à-dire que le fait qu'on juge par l'apparence, ça c'est une chose qui est tout à fait normale. Et si les gens te jugent mal à cause de ton apparence qui est mauvaise, tu peux pas les blâmer. Tu peux les blâmer s'ils te jugent mal par rapport à quelque chose que tu fais de bien et qu'ils te critiquent pour quelque chose que tu fais de bien, ou bien parce que tu respectes les règles de l'islam, les gens pensent du mal de toi à cause de ça parce qu'eux sont des koufars et ils n'aiment pas l'islam. Ça c'est une chose, ça c'est le jugement des koufars envers l'islam et les musulmans. Ça c'est, on le sait que c'est pas basé sur la justice et c'est pas basé sur la vérité. Mais le fait qu'un musulman par exemple qui contredit les règles de l'islam dans son apparence, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, puis par la suite il dit il faut pas juger par l'apparence, ça c'est une contradiction de qu'est-ce que l'islam nous enseigne.